Les musulmans, on n'a pas de place en République démocratique du Congo. Président Kabila, Joseph Abengsi, va conduire les musulmans vani na bango boina kingakati. Et puis va conduire les bayana ba question prioritaire ya communauté ba ye pena ko beta ma mabumu ya bal si na bango. Banzala ya banda kuna bango. Mais vous savez ce que Joseph Kabila avait dit après l'ère de part? Joseph Kabila a dit, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Jamar Kabound a demandé aux musulmans d'appeler ça un espace. Ils n'ont pas si haut et ça l'a dans mon thème. Attends, espace, il y a un mètre carré, toi, dans mon thème. Moi, quand il y a comme musulman, dans le pang, dans le bango, le roi, dans mon influence, dans le pang. Tout le monde, il y a un peu de bango, dans le 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 bango. Mbote na bino bandeko balandi ya la voix du peuple na kati ya chaîne biso le peuple d'abord télévision. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Kimia pe boboto ezonga epa ya bino bato bozu occasion na bino ya Rolanda émission o la voix du peuple avec Jazz Niembo Ibrahim, le logiciel de la presse congolaise. Nazana esengo okuta na bino encore mokolo ya lelo. Puisque et salut moi Mikolo, toujours dans le format ya communauté islamique en République démocratique du Congo. Mais bandeko nanga il faut boye balelo ce qui na ye li susu eza pona kosola na bino de tout ce qui se passe dans la communauté islamique en République démocratique du Congo. Ni nezali koleka. Toujours na cadre ya kofistige marambo ile grand na kati ya communauté islamique en République démocratique du Congo biso ba musulman. Là, je viens parler comme étant musulman. Islam est un problème. Problème na kati ya mboka oyo. Problème nango ya liboso ezali nini? Problème ya Islam ya liboso ezali nanu ba kondi o bazali ko diriger religion islamique en République démocratique du Congo. Bangonde suko ba komi ko déranger communauté. Là, il s'agit quand je dis ba kondi, je parle na kombo ya ba représentants, les gens qui se disent ce sont des représentants légaux, ba son éminence Bangonde, pas au déranger l'islam en République démocratique du Congo. Dérangement dans Bangou Ezali Wapi. Dérangement dans Bangou Ezali. Manque il y a leadership dans Bangou au bazan à la tête il y a communauté. Manque il y a leadership rien que Yango, mais est-ce que ce sont des hypocrites? Ce sont des hypocrites. Des hypocrites sans vision. Là, je n'injurie pas, mais je dis des choses vraies. Ce sont des gens au bazar, ben on a conscience cité à Marambosala. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ont compris quand même les choses de tout ce qui se passe na katia communauté. Tout ce désordre qui est en train de se passer na katia communauté islamique en République démocratique du Congo, c'est dit à ba dirigeants. Itakila Oyoba bango moko batia kabiso itakila ça dit toza na bubangi nzambe mais bubangi nzambe yango bango moko batali boso baza na yango te soki lelo islam na kati ya République démocratique du Congo et comme le coup la religion moko boye oyo mutu nyoso tout azai ko pesa yango valeur o azai ko mona que les musulmans sont des exemples, les musulmans sont des gens honnêtes, lelo batu bakomi ko luka ko cracher sur l'islam, c'est dit aux dirigeants. Ce sont les dirigeants. Parce que dans le cas de l'islam, tout ça a une valeur rebellée. La valeur est une valeur rebellée. Ils ont des dirigeants. Ils ont des dirigeants. Tout ça a une valeur rebellée. Nous, on ne critique pas nos dirigeants. Mais si aujourd'hui, on prend quand même ce courage-là de critiquer les dirigeants de la communauté parce qu'on trouve que trop, c'est trop. Ce sont des gens. Ça dit que malam où il y a l'islam, ils ont que. Ba musulman mutunda dirija bangote. Ba musulman bazaka dirije par rapport ya ba écriture oyo ba mo benga les écritures saint. Ba écriture oyo et komami na kati ya Al-Qur'an il-Karim. Oyo balobi un musulman ne peut jamais trahir un musulman. Un musulman ne peut jamais trahir le Coran.
Quand vous voyez un musulman à trahir le Coran, cela veut dire musulman azamut oyo a telema kaka na maloba al Coran il Karim na ba hadith oyo bantoma comme ba prophète ba ila bisou. Mais comment s'est fait-il ba dirigeant ya religion musulmane ba ko pesa bango ba hadith to pe ba verset al Coran oyo ba bengi yango maloba ya bantoma bango ba zali ba tu ali boso o ba zali ko boya yango subhanallah. C'est très grave. C'est ainsi que Bissot, Toye, Mujahideen, nous sommes les combattants de l'islam. Quand on t'appelle Mujahideen, Mujahideen El Nikolaksa, combattant ya Nzambe, combattant ya religion. Mujahideen, bosa confusion, t'es là-bas, mon boyoga, oh, djihadiste, c'est ça, moutalo, biyan, demi, abunda, combat saint. Mujahideen, cela veut dire combattant ya religion, din, religion. Mujahideen lingou kula sa combattant. Siko ba oba mi benga ka bango wana ba wengo ba djihadiste, djihad lingou kula sa guerre saint, djihad. Ba djihadiste. Ba to bandima ko bunda combat saint pona ba combat divin pona makambu ya Nzambe. D'où on est différent avec eux malgré la propagande de l'Occident nenge ba sala yango envers l'islam, mais nous on est là pour essayer un peu de recadrer. C'est ainsi que on s'est dit biso tokoki jamais ko tolérer ce genre de choses et ba ko salama na kati ya religion musulmane en République démocratique du Congo. Mais laisse-moi s'il vous plaît mesdames messieurs, vous qui êtes branchés en train de suivre cette grande émission La Voix du Peuple, mais n'ayez toujours le lot en casquette de l'islam pour na voyez sabino que à travers pe émission biso to l'exam mingi dans le monde musulman to mekaka vraiment ko élaborer tout ce qui se passe au sein de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Tozongi na moi simamuke. Lelo soki to totala nanu vraiment. Tozonga ndenga mon ami lobelaka. Est-ce que nous pourrons dire nous les musulmans nous avons une place au sein de la société congolaise? Est-ce que nous pourrons dire nous les musulmans nous avons la place en République démocratique du Congo? Non. Les musulmans, on n'a pas de place en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que tout ça n'a manque à vision. Tout ça n'a bateau, bah on a manque à vision. Tout ça n'a bateau et baso linga bas dirigé bas musulman mais basan la bango bah inconscient de la réalité. Quand je dis inconscient, c'est par rapport à nyan surtout les grands nakati à communauté. Sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan spirituel, vous verrez que sur le plan même humanitaire, pourquoi pas sur le plan de l'environnement, sur le plan stratégique, sur le plan politique. Je crois bien les musulmans, baza, batu oyo, lelo, tobomba ki makamango mwa mingi. Il est temps de se le dire, il est temps de prendre quand même le courage de le dire haut et fort. Regardons-nous en face, chers frères musulmans. Regardons-nous en face, chers frères internautes. Qui êtes branchés en train de suivre cette grande émission dans le monde musulman, dans notre chaîne Le Peuple d'abord télévision. Pourquoi pas on les diffuse aussi dans notre émission La Voix du Peuple. Parce que ici je suis en train de parler avec les musulmans et je parle avec le peuple congolais. Est-ce que nous pourrons dire nous avons la place au sein de la communauté, au sein de notre société congolaise? Comment pourriez-vous nous expliquer l'islam qui est une grande religion dans ces pays? Parmi les grandes religions, on manque beaucoup de choses que nous ne pourrons pas dire. Regardons-nous, chers frères. Est-ce que nous pourrons plus se mettre ensemble, nous, la jeunesse islamique en République démocratique du Congo, pour essayer un peu de réfléchir? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'élo, communauté islamique, ait avancé? Tout ça moins développé parmi la communauté belé na kati ya République démocratique du Congo, tandis que le pays est un pays laïque. Je rappelle que Congo est un pays à religion mon côté par rapport à statut na biso tout ça na ngona mboka. Religion non surtout na kati ya mboka o ezali bienvenu. Religion non surtout na kati ya mboka o ezali pour na koeder ko travailler pour na mboka. Sur le plan social, pourquoi pas d'aider aussi le pays sur le plan politique na ba conseil. Pourquoi pas d'aider aussi les pays sur le plan spirituel?
Nzambe a poussé ba konzi makambo ke liboso ba religion surtout ezana mission ya ko travailler pour que pays ait avancé. Entre autres biso pe ba musulmans, nous avons aussi la place. Mais comment nous musulmans on se prend pour des étrangers? Je ne sais pas si ces problèmes là ezana niveau ya mituna biso, ezana niveau ya biso mon toujours c'est sous-estimé. Sous-estimer biso yangwana, on n'a pas ce courage là de les dire haut et fort. Maintenant là je suis en train de parler avec vous qui est là en train de me suivre, yo aux musulmans aux otalangai, il faut qu'on se regarde en face. Est-ce que nous pourrons dire notre religion a un rôle à jouer dans ce pays? Regardons-nous en face. Or que l'islam a une grande influence dans ces pays. S'il y a des religions qui pourront booster ce pays par rapport à toutes ces manœuvres, tout le mal qui est en train de gangréner notre pays, et je crois bien, la religion qui est vraiment mieux placée de faire face à toutes ces histoires, ce sont des musulmans et l'islam. Je n'irai pas plus loin pour vous dire, regardons-nous de l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe là-bas. Mais toi, musulman qui est au Congo, qu'est-ce que toi tu fais déjà? Tu es musulman, mais tu es congolais. Dieu nous a donné quand même le courage. Dieu nous a donné cette religion qui n'a pas peur. Mais dans l'obara toujours, dans Batou. Que la peur quitte nos esprits. Que la peur quitte nos esprits et que l'esprit de nos ancêtres puisse entrer dans nos corps afin que tout est bako changer ma cam. Qui est le changement en République démocratique du Congo? Yo musulmans au salanini. Tant que yo moro déjà na kati ya communauté na yo osa inconscient. Comment au bouné la mboka na yo? Tout est bien à écriture musulmane où on nous a appris. Tout ça un rôle ma kasi ya ko jouer na kati ya mokili oyo. Rôle est banni dans la katia banzoto na biso. Rôle est banni dans la katia ba famille na biso. Rôle est banni dans la katia mboka na biso. Nous avons cette obligation. Le loso di guerre est banni dans la katia République démocratique du Congo. Toi, étant que musulman, tu es obligé de faire quoi? De se battre pour ton pays, de défendre ton pays. Mais si quand tu es banni dans la source, comment est-ce que musulman il n'arrive pas à défendre les intérêts de sa religion, de se battre pour que la religion ait avancé. Regardons-nous un peu. Regardons-nous un peu nos mosquées. Regardons-nous un peu les écoles islamiques qu'on appelle en arabe les madrasas. Et Tanine Alina Yango, quels sont les enseignements au Bissot de Zozo, dans la communauté, dans la Lingomba, dans la Bissot? Nous, peut-être, on a eu cette chance. Il y a une école, on a un internat, une formation. Tu as quand même culture musulmane, tu as quand même enseignement islamique, tu as quand même moi et Lengiwana. Oh lelo, nous pourrons dire que nous sommes parmi les bons musulmans, nous sommes parmi des musulmans pratiquants, nous sommes parmi les exemples dans ces pays, nous sommes parmi des leaders qui se battent. Aujourd'hui, on prend quand même le courage de hausser les tons, de les dire haut et fort. Mais regardons-nous un peu nos petits frères au Bazoya. Comment pourriez-vous nous expliquer ba mosquée na biso et dans la bibliothèque te na kati? Biso ba musulman toza ba tu oyo toza la raba. Exemple. Donc to koyeko tika te et loko ezali molili, o ezali haram et le kana kati ya communauté na biso. Nous avons pris ce courage là de le dire. S'il vous plaît, bo accepter to lo ba na bino. Bo lingi to lo bate. To koya bo beng sa biso to koya ba réunion ya communauté. Mais so to komi wala to bandi ko pesa makanisa biso tant que jeunesse bozo lingati. Là maintenant, je suis en train d'intéresser à cette jeunesse qui est manipulée par ces gens-là, qui tuent l'islam. Bon, sali les lois qu'on appelle ça islam en République démocratique du Congo, image il y a deux camps. Quand Ali Mouine, oh quand Abdallah Mangala, oh quand Youssouf Djibondo, ça ne se fait jamais. Regardons un peu nos frères de l'Église catholique. Comment pourquoi expliquer à Moutoyer à Kangi siège à communauté? Ça, c'est ce qu'on appelle les terrorismes. C'est du terrorisme, ça. Comment yo moutou, ou yon a groupe, ou yon a batou, pour qu'on siège à la communauté, na comment on a un loko, on a te sa, mais pas ba sango.
Boye bobobite, soi-disant assemblée générale et salama malamouté, bande konde, bangonde, bangonde. Mais comment yoko kende ozu siège ya communauté? Des individus, quelques individus seulement. Boye bokangi siège na biso ya communauté. Là, là on s'intéresse dans l'obéla, Youssouf Djibondo. Imam Youssouf Djibondo, yo zana siège ya communauté islamique na Wileri. Siège oyo bino batu bomanda ko diriger communauté bo sombate. Depuis l'islam a été l'islam vers 1973. Oh, le officiellement, oh, officiellement, grâce à président Mobutu, a pesa biso mikanda pour que l'islam est officiel na mboka oyo. Tout ce qui a siège, te. Siège à communauté, oh, eza siko na Wileri wana, eza aide ya bande ko na biso ba iranien. Les iraniens nous ont donné ces sièges là. Moi siko na ba sombela biso pe ba tongi. Mais la communauté islamique en République démocratique du Congo, Oyo Zali dirigée par des Congolais, tel que le président Mobutu avait pris la décision de dire que non, toutes les institutions en Mboka, na Makamounio, sur la religion, il faut pas l'Amboka en débat dirigeant. Islam est qui dirigé par les étrangers dans la RDC. Bah, Zuba Congolais, bah, tchèbe, bah, on a. Bah, on a une nationalité à Libanda, bah, il y a un poste, monsieur, assez. Que font les musulmans, les dirigeants musulmans congolais à la tête de l'islam? Bon, si biso siège ité. Siège wana ka bande wana biso ba warawana auto bunda bunda na bango auto beta pe bango. Pona ko wela kaka mutu ya gestion ya religion na mboka. Mais biso moko congolais, tout ça dani. Et le côté. Toza na ba université té. Université ka moko Al Mustafa o pe bandeko na biso ka ba iranien mbatongi. Te il faut tolo ba biloko po ba tebele ba ebita. Les gens nous voient de l'extérieur. Hein. Les gens qu'on nous voit, ils voient les musulmans de l'extérieur, on nous voit. Non, il faut tolo ba biloko musu boy o et fort. To sambu sa religion te telle que l'avait dit l'imam Hassan Sindani que non petit au moins ba biloko musu bolo ba ngwa la place publique ité mais qu'est fait na part na bino. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ne pas que Bissot soit dans la place publique? Soit vous avez permis à Bissot de faire des élèves, tout ça, vous avez formé. Mais vous avez formé, vous avez formé, vous avez formé, vous avez formé. Même sur le plan spirituel, vous avez formé, 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 vous oh, mais vieux, vous avez formé, malade, avez formé, vous avez préparé la génération future, vous oh, le lobby, vous avez formé. Bon préparer né tout monde n'est pas bande na biso ya ba chrétien ba préparer relève ba pasteur ba évêque ba nani pour que l'oyi ba o ba ko la ba remplacer bon bien moli ko former ba jeune génération té ba petit soto laxi bon bo l'oyi ba ko ba combattre biso na ndenge nini mais tant makambo yinda ka awa na mboka oyo bo bimisaka ba noyo o bo bombe la makambo ba kende ko za exposer face ya ba atrocité oyo comme la ba ngo ba neni ya ko se défendre contre yango té. Récemment, Bokangi siège. Police et Betty Gaz n'a qu'à siège jouant. Chance qu'ils amènent à battre la qui bandekouana, à prière, à salaki et protéger qui bango, il n'y a pas eu de mort. Mais quel encadrement sur le plan spirituel, au bino botique la génération future, Boebi Islam n'a qu'à monde et courir combat. On connaît les ennemis de l'islam. L'islam en République démocratique du Congo ba la na mosquée centrale. Net au monde la cathédrale Notre-Dame. Oh cathédrale cinquantenaire soki ya ni na mboko ba musulman ba na mosquée centrale. Bo benga mosquée ya soki mosquée centrale. Eza première mosquée o etongam na ville province ya Kinshasa. Mais za mosquée centrale. Soko tali yango ndenge ba zo somba somba mpanga pembe ni wana. Eza ka ba aide ya ba riche musulmans na ba ndengo na biso ba West Africain ba ocha ba mbongo. Na mwa ba Congolais a bonne foi ya mwa moko mibale. Ba ko négocier ba mpango eza aux alentours wana parce que za mosquée mo symbolique. Mosquée iso ke za mosquée centrale. Po même na emplacement nango sur le plan environnemental au monde na bina ke ezo mériter aux ala mosquée centrale. Ya ville à Kinshasa. Ndenge to yebi biso to tamboli mo quelques pays musulmans. Tokéi ko tanga religion na ba place wana. Na on passe à verset té. Na on passe à verset té. Lo non sur la na bino boué. Le lo verset mo arabe bi manam no ko nanga té. Na lo bela bino nde ba kondi. Bo longo linga na groupe po ani. Po bolingi vérité té. Petio yo a ole ba mbongo. Bo ininga yi déjà. Po na lo bela bino ba vérité. Je suis le seul jeune journaliste musulman
que je vous dis de vérité, à chaque fois quand je viens dans les médias, ils ont pour les rabbins la vérité. Nous allons combattre Moutouti. Moi, je ne fais pas la guerre contre les individus. Moi, je fais la guerre contre les mauvais systèmes. Système obino bochelibiso au sein de la communauté, ça mauvais système. Ça dit que mbongo ndenge utara islam est subventionné par l'extérieur. Peut-être bande na biso bazana Congo ba yebiango te. Donc musulman à République démocratique du Congo pour voyager que Liban na biso dozo ba bourse d'études au Kenya Libanda, il faut bourse ou ta Iran, il faut bourse ou ta Turquie, il faut bourse ou ta Égypte. Ils ont un jeune qui a été en Égypte récemment. Égypte a été en Égypte pour moi. Ils ont été en Égypte. Il a payé ça $50 argent de poche pendant un mois. Yo mukonzi na ngai obendi o pesa $60 na oliango na so milamba ndeni ngala oké na ngai tu mikolo su na okété na oké na ngai ti na ozela ka buska ya Turquie tu osone na ke Turquie na epte su na ozonga su na mboko mais le roi pe na lo bible na moyeke boela bino su ngate botika biloko wana bakonzi na miso. Nous avons beaucoup de respect pour les dirigeants musulmans. Mais il faut que vous acceptiez aussi tout ça, la vérité. Comment pourriez-vous nous expliquer tout ça la place au Sambelaté? Ramadan, récemment, Ramadan coulait des ordres de Salamaki. Et Salami pour la nini, et Salami parce que les deux dirigeants, ils ont été postés. Ceux qui ont été itakila net en arabe, ko banga nzambe, itakila. Ceux qui ont été en arabe, ils ont été en arabe. Muninga mswa moni muninga leke habite pona nzambe nga na deno na sai nini na tiki na demissioné na nous l'état muninga kumba biso to ke na élection nga na kotaka candidature asima mais o alobi nga na otikate o palobi rien nga pe na otikate bozo wela nini to ibike bozo wela mbongo o e kouta na Arabie Saoudite mbongo e kouta na Iran mbongo e kouta na Soudan mbongo e kouta na Maroc. Est-ce que vous le savez d'abord ce que le roi du Maroc voulait faire pour l'islam en République démocratique du Congo? C'est à cause de vous que le roi du Maroc a vu que les musulmans congolais, ce ne sont pas des bons musulmans. Récemment, en Ramadan, 2022, les deux août, où tu as fêté, on vous a donné 15 000 euros pour acheter des histoires, partager aux démunis. Bon, on a tilélo. Naba poche na bino. Ils ont eu la place de 15 000 euros. Pour son mara babilo, kobo kabolaka dans quelques mosquées, bo pe sa ba demini, babi sauté, pour nga na rozoate. C'est depuis 2006 que j'étais dans le comité de notre mosquée. J'ai dirigé des prières. Ngaï, par ma propre volonté, na démissionna. Na sa gina age nini. J'étais encore gamin. Depuis 2006. Pourquoi? Parce que j'avais vu, il n'y avait pas du sérieux. Bah tout bas au combat très bien sur ça dirigeant n'a bien sûr. Au moins imam ya mosquée na yo, ou ya tangisio alif, ou ya tangisio kaïda, ou ya tangisio al Coran, imam ya komi opposant non numéro un. C'est très grave de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, précisément dans la communauté islamique en République démocratique du Congo. Ce qui est le cas de les médias, parce que nous voulons qu'il y ait les changements. Nous voulons que la communauté islamique ait sa place. Nous avons récapitulé le mot qui a signalé le bateau. Vous savez, le jour où l'islam sera l'islam en République démocratique du Congo, et je crois bien que les Congos vont changer. Mukolo biso ba musulmans tozo conscience ya comprendre réalité za liboso na biso omoni mboko au Congo ne ba ba osaka na ngo boye ha ba président Kabila wa Joseph nenga lega na 18 ans ce qui islam et islam na mboko nenga président Tshisekedi wa Félix oni na oluba mo ba ventir salama o ba Kodeko o ba FDL. Oh, bah, ni à moi, Mickey, ba M23.
le jour où l'islam sera l'islam, prendra place dans ces pays. Je crois bien toutes ces histoires, toutes ces aventures qu'il fait à l'est de la République, avec les combattants musulmans que je connais, étant que moi-même aussi je suis un combattant musulman, nous allons finir. Babylon a tout ici, là, ici, là. Parce que ça, c'est un peu comme ça. Comment nous avons placé dans le monde, tout le monde a été sensible, musulman, place musulman, un bon musulman, a sensible, place ma bé, ali, a vivre. Non, il y a musulman, mais la masangate, yo, mais la masangana bar, na monakayo, na monakayo. Ou l'anda l'anda, petit chéri, a batu na sima, na monakayo. Na baba, ou anate, na baba, vrai musulman, ou a télémisa, cinq piliers de l'islam. Cinq piliers. Un bon musulman, il respecte les cinq piliers. Un musulman pratiquant. On va vantir ça dans Mboko. On va corruption. On va miibi, on va caméra, on va ibaki, ibaki, abo. On va ndumba, on va rené, rené, on va pédé. Talanda, on va pédé, on va comme dans Mboko et belé. On va musulman, on va pédé, on va ndumba. Ndumba, on va venir, on va ndumba. Bar, air, on va. Moko, on va musulman, on va comprendre ma solo. Mboko et bongi. Le jour où nous comprendrons qu'il faut bisoto ko tsaba député na parlement wana. To za na ba député te. Donc biso moko to tsikeli ka ba tunsu ba diriger. To wana ngana cha ka ngona mito ba konzi. Ba konzi ba musulman bo beta fo. Na moni sege oyo le président Kabila Joseph Aibisa biso za na raison. Président Kabila Joseph a bengi ba konzi ba musulman vani na bango bo na kingakati. A posa taka nde kwa ba talo ba na mingi te. A posa question ka moko. Ben, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour les musulmans? Qu'est-ce que je... D'ailleurs, qu'il avait dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'islam? Maman, ngai, tata, ngai, ozota, ngai. Vous savez ce qui s'est passé? C'est nos dirigeants. Et bien, que va consoler, il y a la question prioritaire, il y a la communauté, 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 il y a la Joseph Kabila, il y a tout. Moi n'a pas mousé Laurent à l'obarané mingité. Ayo ki pa yo ka mingi. Na sepela na ka pona silence. Avant ayo ki bango ayo ki bango ayo ki bango abi. Bon, OK, ça va, je vous ai écouté. Ça va, je vais vous appeler. Alouquel bon moi $2000, moi $3000 la pèse bon transport ba kende. Mais vous savez ce que Joseph Kabila avait dit après l'air de part? Joseph Kabila a dit, c'est aujourd'hui que j'ai compris l'islam existe en République démocratique du Congo, mais il n'y a pas de musulmans. Il y a des choses qui dérangent les musulmans. On vous a donné, passe à Nord, passe à Matoumou, à Roum. Qu'est-ce que je peux faire? C'est récemment aussi, c'est que honorable Jean-Marc Kaboun, à Outiosa, à Ramadan, Oyo, à Bengi, dirigeant musulman, il y a commune, il y a limité. Précisément dans le quartier Kingabwa, le quoi Jean-Marc Kabunda, comment moi, dans Kingabwa, il a dit, je vais assister dans votre culte, je vais assister, participer à la fin du Ramadan, à une enveloppe na APC. Assister na prière, il y a fin à Ramadan. Mais à la suite, honorable Jean-Marc Kabunda, a sengi micro. Alors, moi, je connais l'islam. Je suis venu na Katanga, na tamboué dans l'Est de la République. Na yebi valeur ya religion oyo. Mais je vous demande na lina sa le loro moro pona islam na kati ya Kingabwa. Jean-Marc Kaboun a demandé aux musulmans ba pesa espace. Espace vide. Lui il a dit que il veut construire une grande mosquée centrale na kati ya Kingabwa. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'honorable Jean-Marc Kaboun dans sa tête, a mon islam na Kingabwa, a mon ya munene, ndeka ba catholique balaka, bana ba espace na mwe belé belé, o ba yaka ba bi bon moni lupango yo, o mon esiko yo, tongela biso. Mais je vous dis, isa pas si o esalenga na mutema, ata espace ya 1 mètre carré to na ngote. Espace ya 1 mètre carré. Na kati ya Kingabwa, na konti ya communauté islamique et alité. Honorable père Obiya na posa au sombe la biso espace té. Ya na posa ya kotongi la biso. Bo pesa nga espace kaka et alité. Siko to mo beta machine, to tonga ngona lo pango ya moko ya biso
comme musulman na lopango na bango lokwa za na moins influence na lopango to tonga yango likola banda ko na bango wana to longola to lwana to cha dal likolo to tonga lobiso ki ya kufi aza moko kati na biso yenda za na kati ya community soka ya kufi mais bako benga na biso lopango wana za mikanda na biso te ba otu na biso na na tinde mino tonga moko ya bino tonga ki na, na mikanda nini lopango ya ete ya famille lopango ya bato ya famille. Siko nyoso oyo tolo makambo ya boya soni boyo tolo bate po bino bo ali ba, ba, ba ulama po bino bo ali ba imam bo ali ba mwalim bo ali ba chef bo ali ba son éminence des ordres modèle ko lekala kati ya communauté na biso to tala bino biso ba koko na biso ba bunda po na religion oyo ha ko sa ba blague te ba biso ba oyo toza ba koko ya ba koko oyo ba banda lutte. Si aujourd'hui l'islam na kati ya mboka oyo zui forme oyo parce que ba koko na biso ba bundi le lo komiko wana koko oyo biso ali premier dirigeant musulman oyo tellement na kati ya komiko wana na kati ya descendance na biso to to continuer la lutte oyo si ko bino boye place wana po bo bongisa te mais po bo bebisa to tika bino effort ni bino bo sali boko zwa mituka boko zwa mbongo boko bala basi. Donc, il y a des musulmans qui sont à 4-4. Pour aussi, ils sont à battre. Ils sont à battre. Au moins, ils sont à battre. 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 Rapide, rapide. Pour ça, ils sont à battre. Gourmandisme, ils sont à battre. Bon, ils sont à battre. Ils sont à battre. Ils sont à battre. Mais ils sont à battre. Ils sont à battre. Ils sont à battre. C'est très 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 douloureux na kati ya mitema na biso biso lelo ba musulman to telemi na interpeller surtout jeunesse bo bima na ba filière wana o ngai mutu ya nani ngai mutu ya mutu ala raté biso ba musulman to sambela ka batuté biso ba musulman to sambela rande Allah subhanahu wa taala nzambe akela liko na se to sambela rande ye to sambela ka moto té pe biso nde to dirija ka biso nde to dirija ba kondi wana biso nde to dirija biso nde to zwa rande décision likona bango to bi bon yo apata le lokota mosquée te to bengani yo maintenant ka mo génération ngwa bino ya lelo ba jeune yango otanga ta mo religion pe muke bo comprendre te hein kotika mande foza islamité ko indi sambunzu ko lata nzambale za islamité tasbina loboko longwa kate yo muto linga ko vanda vanda na mosquée kende luka musala tika via mosquée. Ils n'ont pas si mingi. Mais nous, on ne cesserait plus de le dire. Jusqu'à ce que tu aies un peu de temps, pour que tu aies un peu de temps, pour que tu aies un peu. On continuera toujours, on va se battre jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que les choses changent. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je sais bien que vous étiez nombreux en train de s'ouvrir Jazz Niembo, Ibrahim, le logiciel de la presse congolaise, les combattants musulmans, les seuls journalistes musulmans. Oyo na ye la rabino basija ba Jean oyo ata bolongo linga na groupe ya communauté eza problème te ngana ko continuer toujours combat na ngai ba ye oyo balinga rabiso bo contacter biso na chaîne le peuple d'abord télévision tope bo s'abonner na chaîne na biso bo s'abonner bo ko mettre ba commentaire na bino tout comme bo ko benga ngai na numéro ezali ya kombo na ngai mupanzi wana 0 81 29 438 ezape numéro ya WhatsApp 0 81 29 438. Merci beaucoup na Cédric Master Wazaki na sima ya caméra, c'est lui le réalisateur phare ya émission Oyo. Les peuples d'abord TV, ils ont un appui à nous. Merci.